Bonjour, je suis Cynthia Labbé et voici mon conjoint Michael Lavoie. Nous sommes propriétaires de Polyplace, copropriétaires de Polyplace, une compagnie familiale qui œuvre dans le moulage de pièces en urethane. La réforme fiscale du gouvernement fédéral nous inquiète beaucoup. Ça va avoir des impacts négatifs et significatifs sur notre entreprise. Suite à cette réforme-là, les entrepreneurs ne pourront plus économiser autant pour prendre de l'expansion, pour leur retraite ou pour des imprévus. Pourtant, les entrepreneurs prennent des risques, investissent et sont des créateurs d'emplois et de richesses. En ajoutant les dépenses admissibles au crédit d'impôt de recherche et développement, ça coûte de plus en plus cher pour des petites entreprises comme la nôtre. Nous sommes déjà aux prises avec des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de changements technologiques. Il ne faudrait pas couper l'homme du pied des entrepreneurs pour qu'ils désirent investir. Dans la forme, on compare les salariés avec les entrepreneurs, mais ce n'est pas la même prise de risque. Dans le cas d'un salarié, il y a un salaire plus assuré qu'un entrepreneur qui est toujours aux guises de ses clients. Il y a trop de zones grises dans votre projet de réforme. Ça crée beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de notre entreprise familiale. Les entrepreneurs contribuent au bien-être collectif du Québec et du Canada. Nous devons les soutenir.